Gérard Benjelloun, le grand écrivain né à Fès, auteur de La Nuit Sacrée, Goncourt 87, puissant prosateur, ici filmé pour son précédent livre, Un jour de manif à Toulouse, est de retour dans notre ville le 2 avril prochain pour son nouveau roman Au pays. Retour en terre, comme chez Jim Harrison ou Samuel Beckett, pour Mohamed, que la retraite aura tué. Vous savez dans quel rayon vous êtes ici? Au rayon français, au rayon étranger? Ah là là, je suis dans le rayon en littérature, c'est le plus important, parce que moi quand je prends un livre, je ne demande pas la carte d'identité de l'écrivain. Oui. Le principal, c'est que ce soit de la bonne littérature, qu'on puisse lire, qu'on fasse rêver ou découvrir un univers, c'est ça le plus important. Mais ma langue française, elle est quand même une langue totalement travaillée par mon imaginaire arabe, quand même, oui. Maghrébin. C'est ça qui est intéressant. C'est comme la littérature de quelqu'un comme Chamoiseau, il est quand même. Son français n'est pas le français de Michel Tournier. Je crois qu'il vaut mieux raconter une histoire, il faut mieux faire une fiction, parce que c'est. Les gens ont la possibilité de s'identifier, de ressentir certaines choses que seul le roman peut faire leur sentir. Si vous donnez un document, un essai de 300 pages sur ce thème, les gens vont peut-être le lire, mais bon, je sais, bon. Mais si vous racontez l'histoire de quelqu'un, et que pendant la lecture, et si c'était moi à qui ça arrive, tout ça, je pense que là, il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, je compte beaucoup sur les émotions que le livre peut susciter chez les gens.